J'arrête là la liste. La colère s'est emparée du pays après la mort. Donc, il y a une semaine à Minneapolis, nous verrons dans quelles conditions d'un homme noir. Nous reviendrons sur ce décès d'un homme noir de 46 ans, George Floyd, des mains d'un policier blanc. Caroline Philippe, quelles sont les raisons d'une telle colère? Voitures brûlées, magasins pillés, heurts avec la police. Pour Jenny, habitante de Minneapolis, la violence est l'unique moyen de se faire entendre. On a trop souvent manifesté pacifiquement. On est venu avec des panneaux, mais ça ne marche pas. Aucun policier blanc n'a jamais été condamné après la mort d'un homme noir. Depuis sa mort il y a une semaine, George Floyd est devenu le symbole de la lutte contre les violences policières aux yeux d'une autre jeune manifestante, Erika. Le traitement des Noirs aux États-Unis est absurde. Ce n'est pas correct du tout. Nous voulons que justice soit faite et que cet officier de police soit tenu responsable de ses actions. Mais la mort de George Floyd révèle de manière plus globale le sentiment d'inégalité ressenti par la communauté noire aux États-Unis et c'est intolérable pour Tim Walz, gouverneur du Minnesota. Vous ne pouvez pas continuer à dire que c'est un endroit où il fait bon vivre si votre voisin, à cause de la couleur de sa peau, n'a pas cette même chance. La crise sanitaire actuelle exacerbe cette situation, explique Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. L'étincelle, elle prend aussi parce qu'on est dans un contexte où les Noirs sont particulièrement touchés par les inégalités et par l'accès à la santé, le chômage, la faillite. Et donc tout ceci fait un cocktail un peu explosif qui permet, entre guillemets, les mobilisations qui se déroulent aujourd'hui. Et pour elle, le discours de Donald Trump, qui n'a jamais condamné le comportement de ses policiers, contribue également à la violence de ces émeutes.